Bonjour, merci beaucoup de votre intérêt à nous suivre sur la chaîne Soma Bible. Nous apprécions vos commentaires, nous apprécions le fait que vous aimez nos vidéos. Si c'est la première fois que vous nous regardez, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner afin d'être mieux informé de la sortie d'une nouvelle vidéo. Le sujet de cette semaine, le déluge. C'est le déluge. Prions, chers amis, notre Dieu puissant, merci. Merci beaucoup pour cette leçon. Ouvre notre cœur pour la recevoir et mieux la comprendre. Aide-nous, Seigneur, à la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Chers amis, le déluge a laissé une trace indélébile dans l'histoire de l'humanité. De nombreuses cultures différentes ont gardé une trace de cet événement. Le peuple hindou, les Mayas, les anciens habitants de l'Irlande, les autochtones d'Amérique du Nord. Dans le chapitre 6 à 9 du livre de Genèse, Moïse explique pourquoi Dieu a dû détruire le monde qu'il avait créé et comment il l'a fait. Le déluge n'était pas seulement une destruction, mais aussi une seconde chance, un acte de grâce rédempteur. Dans cette leçon, nous allons voir les points suivants. La préparation du déluge, l'événement du déluge, la fin du déluge et nous allons voir l'alliance. Nous allons voir l'alliance à la fin de la leçon. Point numéro 1, la préparation du déluge. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par divers mois, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. On voit ça en Genèse chapitre 6, verset 13. Noé est un prophète. Un prophète est un messager spécial de Dieu. Noé est un prophète au même titre que Daniel. Les deux hommes prêchent sur la fin de l'histoire humaine. Dieu ordonne à Noé de construire une arche ou un bateau pour le protéger, lui et sa famille, du déluge à venir. Plus tard, Moïse utilise ce même mot pour nous montrer le panier dans lequel sa mère le cache lorsqu'il est bébé. Dieu sauve donc le bébé Moïse dans ce panier pour que Moïse puisse grandir et sauver Israël. Ainsi Dieu a ordonné à Noé de se préparer au déluge en construisant le bateau. Dieu montre à Noé le plan de l'arche. Dieu indique à Noé la taille de l'arche qu'il doit construire et comment fabriquer cette partie de l'arche. L'arche est très très solide et ne coulera pas pendant le déluge. Noé donc obéit à Dieu. Dieu sauve Noé parce que Noé a la foi pour faire tout ce que Dieu lui demande. Noé est un exemple précoce de la foi qui se manifeste par l'obéissance. On va voir le point numéro 2 qui est l'événement du déluge, l'an 600 de la vie de Noé. Le second mois, le 17e jour du mois, ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses de cieux s'ouvrirent. Les écluses de cieux s'ouvrirent. Genèse chapitre 7, verset 11. Au commencement donc, Dieu a fait les cieux et la terre. Les actions de Noé sont à peu près les mêmes que celles de Dieu lorsqu'il a créé les cieux et la terre. Comment donc la création et le déluge se ressemblent-ils? Les eaux, on voit qu'au niveau de la création, les eaux se sont séparées. Au niveau, bien sûr, du déluge, les eaux se rejoignent. Dieu a créé les animaux selon leur espèce lors de la création. Lors du déluge, Dieu conserve les animaux selon leur espèce. À la création, Dieu a amené les animaux à Adam. Et au déluge, Dieu détruit les animaux à cause des humains. Dieu détruit les animaux à cause des humains. Donc, Dieu a dû détruire tout ce qu'il avait créé pour que l'humanité puisse avoir un nouveau départ. La Bible nous dit que Dieu avait détruit, va aussi détruire ce monde pour faire une nouvelle création sans péché. Dieu va complètement anéantir ce monde, et ce monde pécheresse, pour le remplacer par un monde sans péché. La fin du déluge, c'est le point numéro 3. Nous allons lire en Genèse chapitre 8, verset 1.
Alors Dieu se souvint de Noé, de tous les êtres vivants et de tous les animaux qui étaient avec lui dans l'arche. Le chapitre 7 de Genèse, versets 22 à 24, nous montre que le déluge a détruit tout ce qui vit sur la terre. Nous apprenons également que le déluge est mondial. L'eau a recouvert la terre pendant 150 jours. À cette époque, Dieu se montra soucieux de Noé et se souvint de Noé et se souvint de lui. Il se montrait très soucieux de lui et il s'est souvenu de lui. Le mot Zakar, donc qui se souvenir dans Genèse 8, verset 1, vient du verbe hébreu Zakar. Se souvenir, donc ça vient du verbe hébreu Zakar. Zakar nous montre que Dieu n'oublie pas Noé. Zakar signifie plus que simplement à penser à quelqu'un ou à quelque chose. Zakar nous montre que Dieu tiendra sa promesse de sauveur. Avant que Dieu n'ordonne à Noé de partir, Noé fait un test. D'abord, Noé envoie un corbeau, puis une colombe pour vérifier l'eau et voir à quelle hauteur elle se trouve sur la terre. Lorsque la colombe ne revient pas, Noé sait que la terre était sèche. Nous pouvons tirer d'importantes leçons de ce comportement de Noé. Noé attend que Dieu lui montre ce qu'il doit faire ensuite, n'est-ce pas? En même temps, Noé envoie les oiseaux. La foi ne signifie pas que nous ne pouvons pas voir si ce que nous avons appris est correct. Donc aussi, la vérification que Noé a effectuée, c'est important parce que il voulait aussi utiliser sa propre, n'est-ce pas, bon sens, n'est-ce pas? Et Dieu était là pour l'épauler. Point numéro 4. On nous parle de l'alliance de la vie. L'alliance de la vie. Nous allons lire en Genèse chapitre 6, verset 18. « Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. » Ils vont entrer dans l'alliance. Cette promesse est complètement différente de l'annonce de Dieu dans Genèse chapitre 6. Dieu annonce qu'il va détruire la vie, mais dans Genèse chapitre 6, verset 18, Dieu promet à Noé qu'il va le sauver, lui, ses enfants et sa famille. Lui, sa femme et sa famille. Après que Dieu ait créé Adam et Ève et tout le reste, le couple adore Dieu le jour du sabbat. De la même façon, Noé adore Dieu lorsqu'il sort du bateau. Mais Noé n'adore pas Dieu de la même manière qu'Adam et Ève. Adam et Ève adorèrent Dieu face à face, mais Noé devrait tuer un animal et l'offrir à un Dieu qui ne peut pas voir. Après le déluge, la nourriture végétale a été complètement détruite. Dieu a donc permis aux humains de manger des animaux. Dans le jardin d'Éden, les humains et les animaux mangeaient la même nourriture végétale. Ils n'essayaient pas de s'entretuer pour se nourrir. Et le déluge a changé la donne. Après le déluge, les humains ont commencé à chasser. Ils ont commencé à manger les animaux. Les animaux ont donc commencé à craindre les humains. Dieu a donné aux humains deux règles alimentaires après le déluge. Premièrement, les humains ne doivent manger que des animaux propres ou des animaux purs. Le deuxième règlement était une nouvelle règle. Les humains ne doivent pas manger de sang d'animal. Donc, ils devraient manger les animaux purs, les animaux propres, et ils ne devraient pas manger le sang des animaux. Des règles importantes. Nous voyons donc un pacte de préservation. Ici, un pacte de préservation. Dans Genèse chapitre 9, verset 11, nous lisons cette importante promesse. « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Quelle bonne nouvelle! Dieu promet de ne plus jamais détruire tout ce qui va vivre sur la terre. Qu'entendons des humains dans cette nouvelle alliance? Rien. C'est une alliance unilatérale. C'est Dieu qui s'engage. C'est un don de grâce pour l'humanité dont nous nous souviendrons chaque fois que nous verrons un arc-en-ciel.
Cette alliance est son signe, son rappel de la fin de la création originelle. Dieu s'est reposé et nous a donné le sabbat comme signe. Dieu a donné à l'humanité une seconde chance, une nouvelle création. Il s'est également engagé à préserver la vie sur terre. Tant que la terre subsistera, les semences et les moissons, le froid et la chaleur, l'hiver et l'été, le jour et la nuit ne cesseront pas d'exister. Il faut être toujours là tant que la terre va être préservée. Chers amis, c'est la fin de cette leçon. Je vous demande de la partager avec vos amis et vos proches. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous permette de pouvoir vivre ces leçons. Ce sont des résumés de la leçon et je vous invite fortement de pouvoir aller dans vos livres de l'école du sabbat et de lire et de comprendre. Et ça vous éclaire dans le fond sur vraiment le résumé de la leçon de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et n'oubliez pas s'il vous plaît d'informer et d'envoyer cette leçon à vos amis, à vos connaissances. À la semaine prochaine.